Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Écoutez, moi je pète la forme comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du Top 10 Stunts sur GTA V. J'ai vu que le premier épisode vous avait énormément plu, ça me fait énormément plaisir. Merci aux abonnés de la Play Comedy Club ainsi qu'à la Play Comedy Club de m'avoir upload sur leur chaîne YouTube. Le deuxième épisode sera normalement aussi upload sur leur chaîne YouTube et j'espère qu'il vous plaira autant que le premier épisode. Alors on commence directement avec la 10ème position. À la 10ème position, on retrouve Trov avec sa bâtie 801RR qui a réalisé un stunt assez sympathique en faisant un double bump pour l'Inde au-dessus de ce building. Voilà, très très beau stunt. On commence tranquillement à la 10ème position. À la 9ème position, on retrouve Mr. Veron 5 qui va nous réaliser un stunt dans un trou de souris avec son avion. Très très beau stunt. Vous verrez pourquoi je l'ai mis à cette position et pas une autre, parce que c'est quand même un très très beau stunt. 8ème position, on retrouve My Name is Alex avec sa Bugatti Veyron qui va nous réaliser un très beau stunt. Il va d'abord nous faire une petite vrille pour arriver tranquillement dans le parking. Voilà, normal. Très beau stunt de ta part. 7ème position, on retrouve Mufrobi9. Oh là 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 là, c'est quoi ce pseudo, mec? Tu te compliques la vie. Qui va nous réaliser un superbe wall ride sur la Maze Bank pour arriver en bas et ensuite enchaîner avec un petit backflip. Très très beau stunt de ta part, c'est très original. À la 6ème position, on retrouve Ghost qui va nous faire un superbe stunt avec sa Ruffian, il me semble. Je crois que c'est sa Ruffian. Il va nous réaliser un superbe bump pour arriver au-dessus de ce bâtiment qui, me semble, est un tunnel, si je me rappelle bien. Voilà. Superbe stunt quand même de ta part. À la 5ème position, on retrouve Melvin Gaming qui va nous réaliser un magnifique wall ride. Le spot est assez connu, mais d'habitude on réalise un bump pour arriver au-dessus de ce bâtiment. Et lui, il a fait ce wall ride, franchement super original de ta part. Et c'est pour ça que je t'ai placé à la 5ème position. 4ème position, on retrouve Cirque Predator Zrix. Ouh là 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 là, mais les gars, franchement, vous vous compliquez pas la vie avec vos pseudos. Qui va nous réaliser avec sa Bugatti Veyron un superbe triple vrille pour arriver parfaitement sur les docks du port. Superbe stun de ta part. À la 3ème position, on retrouve Trex Pass qui va nous faire aussi un superbe stunt. Il va d'abord mettre beaucoup de coups de boost pour prendre de l'élan et ainsi réaliser un superbe backflip pour ainsi grind sur la pale de l'éolienne et enchaîner avec un 3-6 pour atterrir magnifiquement sur l'herbe. Bravo à toi. 2ème position, on retrouve Mr. Veron 5. Voilà, je vous ai dit pourquoi je plaçais son autre stunt à la 9ème position. Parce que là, il va nous faire un truc de malade. Il va nous réaliser un superbe bump en mode Superman et faire un superbe backflip pour arriver sur cette industrie. Et le gagnant de l'épisode 2 du Top 10 Stunts sur GTA 5 n'est autre que Nightmare. Je vous laisse découvrir le clip en musique. Les amis, c'est terminé pour ce deuxième épisode du Top 10 Stunts sur GTA 5. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de m'envoyer vos clips à l'adresse suivante. Non, en fait, non. Ne m'envoyez pas les clips à l'adresse suivante. Envoyez-les-moi par message privé YouTube. Ce sera beaucoup plus simple pour vous ainsi que pour moi parce que j'ai reçu très très peu de stunts pour cet épisode. Donc j'ai dû aller demander à des amis pour qu'ils m'envoient des stunts. Voilà. Donc je préfère que vous m'envoyez par MP YouTube avec évidemment un titre qui explique bien que c'est la participation au top 10. Donc vous marquez top 10 stunts ou top 10 stunts participation, c'est comme vous voulez, mais il faut que vous marquiez au minimum top 10 stunts pour que je puisse m'organiser correctement. Voilà, donc je ne vous réponds pas bien évidemment parce que sinon ça va être le bordel total dans ma boîte message. Enfin bref, vous avez compris. N'oublie pas d'aller t'abonner à la chaîne YouTube des stunters qui seront dans la description normalement. Et maintenant, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ta souris. Donc voilà, tu vas la déplacer sur le bouton like. Là, tu vois le bouton avec le petit pouce en l'air. Voilà. Et puis, tu vas la déplacer. Tu vas voir, c'est très très simple. Hein. Tu le déplaces un peu plus bas sur la section commentaires et tu postes j'aime les pommes. Voilà. Voilà, tu mets j'aime les pommes. Voilà. Et peut-être que tu gagneras, qui sait, un poney unijambiste. Peut-être, qui sait. Et bien entendu, le dernier truc que tu dois faire pour finir ta participation, c'est que tu dois appuyer sur le bouton s'abonner. Voilà. Et peut-être, franchement, hein, je te l'ai dit hein, avant, tu gagneras peut-être un poney unijambiste. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas raconter comme connerie. Enfin bref les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de laisser. Enfin, je raconte tout mon baratin encore une fois. Je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien et ciao.